Les constats initiaux sont les suivants. Premièrement, tous les environnements de pause sont identiques alors que les besoins de détente sont fondamentalement différents. De plus, les espaces de pause actuels sont trop souvent des espaces de consommation sans aucun but sociétal. Ils n'inspirent ni au partage ni à la convivialité. Enfin, le distributeur de nourriture est cloisonné au fond d'une pièce. Son design peu travaillé n'est pas utilisé pour d'autres fonctions. Après une analyse de marché, notre étude s'est ciblée plus précisément sur un distributeur implanté dans un contexte universitaire. Afin de trouver un concept qui réponde au mieux à notre cahier des charges, nous avons regroupé les valeurs fortes de notre produit. Une fois ceci défini, nous avons réalisé des planches de tendance en lien avec ces idées. De ces planches est née l'identité de notre marque. En effet, le logo ainsi que le nom ont été créés à l'aide des notions précédemment définies. Partage, convivialité et éco-responsabilité. Ces planches nous ont servi de modèle d'inspiration pour pouvoir réaliser des croquis individuels et multiplier nos sources d'inspiration. Nous sommes ensuite passés à la phase de conception. Au cours de cette phase, il a été nécessaire de respecter plusieurs contraintes. Il a fallu satisfaire les personnes souhaitant se reposer ainsi que celles exigeant de rester debout. Pour amener ceux-ci à se réunir, nous avons opté pour une table de bar, élément central de la pièce. La forme arrondie a permis de développer la notion de rencontre. De plus, pour ne pas engorger le poste de commande, il nous a fallu le séparer de l'espace de détente. Afin de fluidifier le service, deux zones de commande distinctes sont disponibles. Chaque poste est composé d'un écran, d'une trappe et d'un robinet dispensant du café. Le plateau de la table est transparent, ceci permettant de voir le mécanisme contenu dans le corps. Lorsqu'un produit est réquisitionné, par le biais des écrans ou de l'application mobile, le processus de sortie du produit se lance. Le barillet s'oriente de manière à se placer au-dessus du tapis roulant. Une fois en position, le ressort tourne jusqu'à faire tomber le consommable. Le tapis l'expédie jusqu'à le faire tomber dans l'un des deux paniers, l'aiguilleur étant là pour l'orienter en fonction du poste de commande. Pour finir, une vis sans fin vient faire monter le produit, le diaphragme s'ouvre et l'utilisateur peut s'emparer de son achat.